Allez, c'est parti, on se rend à Climax Mastering, à 30 minutes de Paris, dans un cadre magnifique, vous l'avez vu en intro, et c'est Jean-Charles Panizza qui nous accueille. Alors Jean-Charles, il a fait plein de discours pour Jennifer, les 10 commandements, Youssou N'Dour, Jeanne Hadid, Alain Souchon, il a un joli catalogue, et surtout, il a une jolie cabine. C'est ce qui fait, je pense, aussi le charme de ce studio tour, vous allez voir, c'est hyper beau, en plus ça sonne vraiment bien, il y a plein de volume, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça sonne bien. Jean-Charles, il va aussi nous raconter plein de choses intéressantes sur son matériel, sur sa vision du métier un peu plus tard dans la vidéo. Et vous allez voir qu'il a beaucoup, beaucoup de matériel, enfin pas mal de matériel analogique, donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Il y a plein de machines qu'on voit pas forcément, je pense notamment aux Culture Vulture, il va en parler, c'est très très intéressant. Pour fêter cette vidéo, le sponsor, c'est coolkidsaudio.com, donc ma boutique de matériel studio hi-fi, et j'ai demandé à Jean-Charles de choisir une pièce de matériel, une marque, un produit sur lequel je vous fais une promo exclusive pour cette vidéo. Et il a choisi la marque Dutch Audio. Alors, Dutch Audio, à ne pas confondre avec Dutch & Dutch. Dutch Audio, c'est aussi une marque donc hollandaise, mais elle fabrique des consoles d'insert analogiques, 100% analogiques, mais avec un petit twist, c'est que les nouvelles consoles d'insert de chez Dutch Audio, la gamme IC, est contrôlable numériquement. En fait, c'est des machines donc 100% analogiques avec un signal path 100% analogique et vraiment hyper clean puisque en fait, ce sont des inserts mécaniques et non électroniques comme on retrouve sur pas mal de consoles d'inserts. Là, c'est vraiment fait dans les règles de l'art, donc console de mastering hyper haut de gamme avec ces switches mécaniques qui sont bien plus transparents d'un point de vue sonore. Donc ça, c'est la recette un peu de Dutch Audio qui existe depuis un moment. Mais là, cette fois, c'est pilotable numériquement et donc ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est recallable via l'ordi. Donc on peut enregistrer ses presets et deuxièmement c'est encore plus précis en fait au niveau des réglages, je pense notamment au volume de gain d'entrée et sortie. Cette super machine, donc les IC 1.1 et 2.1, donc c'est deux produits de la nouvelle gamme numérique de chez Dutch Audio, et je vous fais donc cette promo exceptionnelle pour avoir ces machines à un prix juste jamais vu sur le web. Plus d'infos en description, évidemment ça va aller très très vite et ce sera sur une durée limitée, donc il va falloir faire très vite. Voilà, c'est tout pour cette courte intro. Maintenant, je vous laisse au studio tour à Climax Mastering. Bon visionnage. On est dans les Yvelines, à côté de Paris, ouais. Et quel cadre, incroyable. Ah bah écoute, je suis content que ça te plaise. Allez, tu nous guides? Et voilà, c'est par là. Ok. Alors dans cette cabine, ça va bientôt faire 14 ans que je suis là. Donc c'est trop beau, de la lumière naturelle et tout, et une grande taille pour un ingé parisien, ce qui est assez rare. Eh bah écoute, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre là-dessus. On a vraiment une hauteur hyper agréable et qui fait pratiquement 5 mètres. Et puis voilà, la pièce est grande quoi. Donc moi je m'y sens vraiment bien. Je trouve qu'elle sonne super bien. Donc voilà, je suis content d'être ici, c'est pour ça que je suis là depuis 14 ans. Tu nous parles des enceintes, des Legacy Audio? Ouais, voilà, tu l'as dit, les enceintes, c'est des Legacy Audio. C'est des full range. Moi, je suis vraiment habitué à des enceintes comme ça, donc honnêtement, je pourrais vraiment plus m'en passer. Je déteste bosser avec un caisson de base, donc pour moi, c'est vraiment cool d'avoir des enceintes full range. Tu vas voir, je te les ferai écouter tout à l'heure, je pense que tu vas sûrement les apprécier. Et puis, voilà, l'autre côté vraiment sympa avec ces enceintes, déjà, je trouve qu'elles sont hyper belles. Les tweeters à ruban, vraiment, je trouve ça hyper agréable. Et il se trouve que quand je m'assois, la hauteur des tweeters, elle est pile à la hauteur de mes oreilles, donc ça tombe bien. Donc ces enceintes actives? Celles-ci sont actives, ouais. Tu peux aussi les avoir en passive. D'ailleurs, avant, je les avais en passive. Et celles-là sont actives, ils ont vraiment fait des super amplis qui sont hyper puissants, t'as un headroom pas possible avec ça. Et puis voilà, ça élimine aussi des problèmes de câbles, donc c'est pour ça que j'ai pris cette solution là aussi. Parce qu'avant tu les avais en passive avec un Bridgestone, c'est ça? Voilà, ici avant on avait, c'est les mêmes, hein, c'est les Focus, mais modèle, on va dire le modèle d'avant quoi. Donc elles avaient un peu, pas exactement la même tête, mais en gros c'était les mêmes enceintes et j'avais ça avec un Bridgestone, ouais. Okay. 4B, SST, je sais plus quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que tu nous parles du convertisseur tout doré, la nouvelle addition? Écoute, je t'en parle volontiers parce que, comme tu viens de le dire, c'est la toute dernière machine que j'ai eue ici. J'apprends encore à la dompter, mais franchement, je suis déjà hyper convaincu.
Tu vois, des fois, quand j'ai des nouvelles machines, je sais pas si elles vont rester au studio, mais celle-ci, c'est clair qu'elle va rester, quoi. Ok. Alors, ça te sert à quoi ? Eh ben, ça me sert à convertir le signal à la sortie de ma chaîne avant de, voilà, avant de rentrer dans l'ordi. Et est-ce que tu as ces options de soft clipping, soft saturation ? Ouais, que... ouais, ouais, il y a ces options. Alors, tu les utilises ? Bah, pour l'instant, j'expérimente. Là, ça fait quoi, peut-être 2 semaines ou 3 semaines que je les ai, donc tu vois, j'expérimente, j'essaye forcément. Dès que je fais un master, j'essaye, c'est mon nouveau jouet, donc j'essaye un peu toutes les options. Pour l'instant, j'ai pas été hyper convaincu par ça. Je trouve quand même que le SoftSat, il a de belles qualités, mais pour l'instant, ça n'a pas encore matché avec un master. Par contre, ouais, clairement, je m'en sers pour clipper, même voir pour clipper à mort, des fois quand il y a besoin, c'est vraiment top pour ça, quoi. C'est hyper transparent. Alors avant j'utilisais beaucoup le Forcel que j'ai toujours, qu'on peut aussi clipper hyper fort quand il y a besoin. Et c'est vraiment deux couleurs différentes quoi. Donc okay. C'est vraiment intéressant d'avoir les deux. Du coup voilà, c'est pour ça que je suis en train aussi de me construire un switcher, c'est parce que pour pouvoir switcher facilement de l'un à l'autre, passer d'un converto à l'autre et pouvoir tout de suite comparer les deux couleurs qu'ils ont quoi, ouais. Qui sont vraiment pas les mêmes. Là si je veux comparer aujourd'hui, tu vois, faut que j'aille câbler derrière. C'est un peu chiant, je dois coucher les deux masters et ensuite faire des bancs. Ouais. Ouais, c'est pas pratique, donc voilà, je suis en train de solutionner ça là, mais ouais, vraiment, okay. Vraiment super machine, j'en suis très content. Tu veux me parler du reste de la chaîne un peu ? Ah, est-ce et qu'on bah, peut parler des Fatso ? On les voit pas souvent en mastering. On peut carrément parler du Fatso, écoute, c'est une machine que j'adore, c'est une de mes bottes secrètes, bon, je suis pas le seul à m'en servir, hein, mais tu vois, je l'ai depuis super longtemps. Et vraiment, c'est pareil, c'est une machine qui est pas prête de sortir de mon rack. Clairement, je compresse jamais avec parce que c'est beaucoup trop flagrant comme compression. Ça m'est déjà arrivé de compresser dans des rares cas parce que des fois, ça peut être sympa, ça donne quand même une attitude, mais en gros, dès que tu compresses un dB, c'est direct flagrant, donc c'est pas toujours ce que je cherche dans un master. Et on revient au bass, c'est un émulateur de tape, c'est ça, un peu ? C'est pensé comment ? Écoute, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. C'est ouais. Vendu comme un émulateur de tape. Moi, je peux pas vraiment te dire que quand je passe dans le Fatso, après j'ai le son d'une bande. Je pense que ce serait pas vraiment. Ouais, c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Okay. Par contre, ce que ça fait et que j'adore, c'est que ça va venir calmer. Tu vois, si jamais t'as d'un coup une crête hyper aiguë, je sais pas, une charlet, une cymbale qui pète plus que les autres, ou une crête dans les aigus, eh ben ça va venir te la calmer. Ok. Et donc ça c'est sympa parce que des fois t'as envie de mettre vachement d'air dans un master et ah tu peux pas parce que à 2 minutes 30 il y a cette charlet qui te pète la tête ouais. Et du coup on n'entend plus que ça quoi. Ok. Et donc ça il me permet vraiment de faire ça. Donc faut pas y aller trop fort, hein. Comme je te disais c'est vite flagrant donc ouais. Moi j'ai trouvé un petit peu mes réglages habituels où je commence par là puis ensuite j'ajuste tu vois. Mais en même temps t'as pas 10 000 réglages là-dessus hein, t'en as 3 en gros donc enfin. Si tu compresses pas, en tout cas, t'en as que 3. Donc, tu trouves vite une recette qui va, et si ça va pas, tu le sais tout de suite, et tu peux passer okay. À autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bah, écoute, je sais pas, si tu veux, on peut prendre ma chaîne dans l'ordre. Ok. La première machine dans ma chaîne, c'est celle-ci. C'est une machine vraiment que j'adore. Pareil, je l'ai depuis hyper longtemps. Je crois bien qu'on l'avait déjà à l'ouverture du studio, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un Culture Vulture. De chez Thermionic Culture, qui est une version un peu spéciale, je sais plus comment il l'appelle, 11e anniversary. Souvent, quand tu le vois en rouge comme ça, c'est le Super 15. Non, c'est parce qu'ils ont sorti une version okay, Super d'accord. 15 ou Super 15, je sais pas okay. Comment on dit. Qui ressemble un petit peu, si tu la regardes de loin, c'est la même. Celle-ci, elle a une particularité qui est vraiment cool, c'est que, en fait, sur les Culture Vulture, la plupart, si le gain il est à zéro, t'as pas de son, un peu comme si en ampli guitare. C'est-à-dire que tu es obligé de mettre du gain, sinon la machine, elle ne sort pas de son. Et là, celle-ci, tu vois, le zéro, il est là, et tu peux mettre un gain négatif. Ce qui fait qu'en gros, cette machine, c'est une distorsion. Donc, ça rajoute des harmoniques, on va dire. Donc, c'est vite trop. Tu vois, on dit, putain, ouais. Le mec, il fait saturer mon master. Tu vois, tu peux te dire, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Et moi, j'aime bien, mais alors, faut hyper bien le doser,
clairement. Ok. Moi, alors, tu fais quoi? Tu fais en parallèle? Tu fais comment? Non, même pas. Non, t'es en insert total? Ouais. J'ai déjà essayé en parallèle. En fait, ça m'apporte pas grand-chose. J'ai l'impression d'être en parallèle, donc je préfère garder cette option-là donc pour d'autres machines. Tu gères bien le gain d'entrée et t'arrives à ce que tu veux, là. Non, faut gérer hyper bien ton gain d'entrée. Ok, d'accord. Ouais, parce que, Alors, tu fais quoi? Déjà, en amont, t'as du boulot un peu dans le soft pour... C'est un peu pour ça qu'elle est en premier dans ma chaîne aussi, c'est que déjà je peux gérer très facilement dans mon soft avec mon fader à quel niveau j'envoie dans la machine. Mais en fait le gain c'est ça, en réalité c'est un niveau d'entrée sur cette version là. C'est pas un gain, il s'appelle gain, mais... Il s'appelle gain ? Non, il s'appelle drive. Okay. Bon. Mais en réalité, dans la mesure où tu peux mettre un drive négatif, tu vois, je peux atténuer en fait en entrée. Donc ça fait que je peux rentrer moins fort dedans, elle ajoute moins de couleurs. Ouais. Bah, c'est vraiment une color box pour moi, ça. Ok. Et ça, c'est souvent sur tes masters, du coup? Ben, c'est souvent, franchement, assez souvent, ouais. Je saurais pas trop te donner un ratio, mais vraiment assez souvent pour que ce soit vraiment un incontournable de mon studio. Après, moi, comme je fais beaucoup de rock, souvent, c'est quand même des musiques où ça s'y prête bien. Je vais pas mettre de la saturation, genre quand t'écoutes, tu te dis pas que ça sature, tu te dis juste que c'est coloré. Ok. Et si tu fais un peu, si tu rentres un peu fort dedans, ça commence à être typé, voire... ça peut même vraiment donner une identité à un son, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, en dessous, c'est un tape simulator de chez Rupert Neve Design, le 542. Que celui-là, vraiment, pour le coup, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Ok. Mais les fois où je l'utilise, franchement, c'est cool. Donc, vu que c'est pas une machine qui est hors de prix, si tu veux, pour moi, ça vaut le coup de la garder. Bon, comme tu peux le voir, le reste de la lunchbox est vide. Ouais. Donc il va falloir que je trouve une solution pour remédier à ce problème. Mais c'est en cours. Ok. C'est en cours. Et en dessous, voilà. Du matos mix, du coup La Bricasti, c'est une reverb. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur des masters, mais clairement, c'est pas ce qui est demandé généralement. Mais honnêtement, là, on n'est pas sur le même ratio. Là. Je pense que c'est en dessous d'1% sur celle-ci. D'accord. En dessous d'1%. Okay. Bon, le H3000, il est là parce que je l'ai, mais clairement, je l'utilise jamais sur des masters. En dessous, c'est des préamps, ça me sert parce que moi, je fais de la musique aussi, donc ça me sert pour m'enregistrer ou pour enregistrer des copains, mais clairement pas pour du mastering. Alors, c'est quoi la suite de la chaîne? Après le Culture Vulture. Après le Culture Vulture, bon, c'est pas rangé dans l'ordre. Hein. Après le Culture Vulture, la deuxième machine de la chaîne, c'est celle-ci, qui est encore une Rupert Neve Design. C'est Masterbus Processor, celui-là. C'est vendu comme un compresseur. En réalité, je l'utilise assez rarement pour compresser. Tu vas vite comprendre que je suis quelqu'un qui compresse pas souvent. Mais ça peut quand même m'arriver. De temps en temps, quand je le fais, c'est un super compresseur. Hein, car en plus, la possibilité est utilisée en parallèle, directement en interne sur la machine, donc c'est quand même pratique. Je compresse assez peu avec. Moi, ce que j'utilise vraiment beaucoup, c'est le Silk. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'elles sont reconnues, ces machines. Souvent, les gens qui l'ont l'utilisent pour ça. En gros, le Silk, ça te permet de... Moi, je l'utilise un petit peu pour... parfois, quand je reçois un mix qui est un peu déséquilibré, un mix qui penche un peu trop vers les graves ou un mix qui penche un peu trop vers les aigus, t'arrives à calmement rééquilibrer déjà en début de chaîne, de manière à attaquer ta chaîne avec quelque chose qui est déjà bien équilibré. Et c'est irremplaçable, tu vois, j'ai plusieurs écus, mais j'ai aucun écu qui fait ça. C'est pas de l'écu d'ailleurs, hein, c'est... C'est une saturation parallèle un peu? Je sais pas exactement ce que c'est d'un point de vue électronique. Ce que je sais, c'est que... c'est plutôt sur les harmoniques que ça agit, que sur l'équalisation à proprement parler, ouais. Le red, il permet de pencher vers les aigus, le blue permet de pencher vers les graves. Moi, c'est plus souvent j'utilise le red, mais ça m'arrive d'utiliser le blue, voilà. Okay. Et ce que j'adore aussi, c'est cette section-là qui te permet d'élargir ta stéréo ou de renforcer ton centre. Ça, c'est pareil, c'est utilisé sur beaucoup de mes masters, quoi. Ok. Alors, la suite, c'est mes Pultec, qui sont pas d'authentiques Pultec. Ils écrivaient pas Climax sur les Pultec, alors, à l'époque? Non, à l'époque, non. Pourtant, je trouve que ça fait bien. Peut-être qu'ils auraient dû, mais... Non, ils écrivaient pas ça. Alors, c'est qui les fait, ceux-là? C'est moi. C'est moi, c'est des clones, si tu veux, on peut trouver pas mal de clones sur le marché. Celui-là, on peut dire que c'est à très peu de choses près un vrai clone de l'original. Et les peu de choses près qui font que c'est pas un clone de l'original, c'est des choix que j'ai faits. Parce que l'original, je trouve qu'il a pas forcément que des qualités. En gros, c'est un peu un Pultec à ma sauce, quoi. Il est hyper doux dans les aigus, et c'est ça vraiment que j'adore.
Et je m'en sers énormément pour ça, pour booster les aigus, mais même des hyper aigus, tu vois. Là, il est resté mon dernier master, tu vois, je boostais à 16K, donc c'est quand même vachement aigu. La courbe, elle est hyper hyper douce. Commence tôt, en fait. Ouais, en plus, tu mets 16K, mais en réalité, ça commence à booster un peu avant. Ouais. C'est exactement la même architecture qu'un Pultec authentique, hein. T'as le même nombre de transfos, le même nombre de lampes. Voilà, juste, j'ai fait d'autres choix sur les transfos que les transfos d'origine. Que j'ai, hein, dans l'atelier, derrière, je les ai achetés. Au début, je les ai mis, je les ai utilisés comme ça à un certain moment, et puis voilà, finalement. Et t'as mis quoi alors, quelque chose de plus clean, plus... J'ai mis quelque chose d'un petit peu plus clean, ouais. Alors c'est, enfin c'est dans le détail, hein, tu vois. Ouais. Quand tu fais un rabais, tu dis pas ah ouais c'est le jour et la nuit, mais bon voilà, voilà, moi j'ai fait ce choix-là. Et à un moment, j'avais même fait une section, en gros là-dessus c'est du gain à lampe. Moi j'avais fait une section de gain solid state pour voir, parce que bon, pourquoi pas finalement. Quand t'as les mains dedans, c'est pas très compliqué à faire. Et donc, pendant longtemps, je m'en servais et je passais de l'un à l'autre. Et finalement, je retournais toujours sur la section à lampe. Donc, c'est que, tu vois, c'est que c'est celle-là la bonne, quoi. Donc, quand je les ai fait comme ça en propre, bah voilà, je l'ai même pas mise dedans, tu vois. Après le Pultec, c'est quoi? Alors, après le Pultec, j'ai le PureMew de Knif, qui est vraiment une super machine que j'adore aussi. Dans la pratique, ça, je peux pas dire que j'utilise sur beaucoup de masters. Mais quand je l'utilise, c'est vraiment super, quoi. Alors tu l'utilises. Enfin, quand je dis quand j'utilise, c'est quand je compresse avec. Ouais. Parce qu'il m'arrive, par contre, mais très souvent de passer dedans. Souvent dedans. Ouais, ouais. Ouais, Et quand tu compresses avec, c'est quoi? On est à combien de dB? Combien de? Ça affiche combien de dB tu compresses? Ah, franchement, si j'atteins 1 dB, c'est que déjà, je me suis un peu lâché. C'est que tu compresses. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, si j'atteins des compressions comme ça, ça va peut-être plus, tu vois, sur des guitares voix, des pianos voix, des trucs comme ça. C'est sympa pour quand t'as des crêtes de voix qui dépassent un petit peu, ça les remet un petit peu dans le mix. C'est. Donc, ça fait partie des rares moments où tu utilises un compresseur pour compresser. Ouais, c'est vrai. Mais j'utilise mes compresseurs, hein, mais pour passer dedans, ils ont tous un son. Okay. Et celui-là, il a un son qui est, si tu veux, il va vraiment ajouter du relief, quoi. Sa couleur, elle est quand même assez orientée vers les aigus, mais c'est hyper doux, hein. Tu vois, c'est pas comme si tu boostais les aigus avec un écu, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas comme ça. Mais ça, ouais, je sais pas comment le dire, ça ajoute un peu une sorte de... comme si ton son était un petit peu plus 3D, quoi. Alors c'est subtil aussi, hein, c'est pareil, ça transforme pas énormément le son, mais bon, tu vois, petit à petit, c'est comme ça que j'arrive à un son qui me plaît, quoi. C'est un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Alors, quoi. C'est quoi après le PureMew? Alors, après, j'ai le Fairman, là, que j'ai pas depuis longtemps aussi, et qui remplit un petit peu la même fonction. Il a pas la même couleur. Il a beaucoup plus de lampes, donc il colore beaucoup plus. Il fait pas trop ce truc de 3D comme fait le PureMew. Lui, il va être plus dans. Une couleur, c'est un peu ce que t'attends d'une machine qui a beaucoup de lampes, quoi. Il va. Donc émulation de Fairchild. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Moi, si tu veux, j'ai pas pris cette machine pour me dire ah, ce sera comme si j'ai un Fairchild. Je m'en fous un peu. Juste, j'ai flashé sur cette machine. Je l'ai essayé dans le studio d'un copain et j'étais venu pour essayer une autre machine et finalement c'est sur celle-ci que j'ai flashé. Donc j'ai eu du mal à l'avoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup disponibles. Okay. Mais voilà, c'est pareil, en fait, je vais avoir la même utilisation. C'est-à-dire, la plupart du temps, si vraiment je l'utilise pour compresser, ça va être sur des musiques plutôt acoustiques. Dès que tu as En fait, dès que tu as de la batterie, la compression, tu commences à l'entendre un peu trop, à mon goût. Voilà, c'est comme ça que j'utilise aujourd'hui. Je ne dis pas que je ferai toujours comme ça, mais c'est pareil, je l'ai eu celle-ci il y a peut-être, même pas 6 mois. Et donc, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, c'est au bout de 6 mois, je peux pas considérer que j'ai fait le tour de cette machine. Okay, d'accord. Donc, je vais continuer à expérimenter avec. Ok. Qu'est-ce que c'est ensuite? Voilà. Alors derrière, j'ai des écus. Donc, dans l'ordre, j'ai d'abord le Manley et ensuite le Soma, qui sont un peu mes écus principaux, surtout le Soma, que vraiment j'aime beaucoup. C'est, tu vois, si je veux faire une écu, que ce soit boostée ou généralement, c'est vers celui-ci que je vais me tourner en premier. C'est un écu à lampe, mais finalement, il est quand même hyper transparent. Il a une super précision dans le bas et c'est vraiment hyper agréable à utiliser. En plus, dessus, tu as tout le confort moderne, c'est-à-dire que tu as du MS, ce qui est quand même voilà, une possibilité en plus pour un equalizer qui est vraiment cool en mastering, je trouve. Et d'ailleurs, je l'utilise beaucoup en MS. Et puis, bah voilà, le Manley... J'en pense un peu ce que tout le monde en pense, c'est-à-dire que c'est assez formidable sur les médiums. J'ai pas de...
d'EQ qui tient la comparaison avec celui-là sur le Medium. Je trouve qu'ils sont beaux, t'arrives à, parfois même à booster quand même beaucoup les Mediums. Et ça reste toujours hyper beau, hyper musical. Voilà, ça ressemble un peu au Pultec, sauf que t'as tout le confort moderne, sauf le MS. T'as, voilà, c'est des bandes paramétriques, quoi. Voilà, et puis en dernier, j'ai le STC8, et puis en tout dernier, le Fatso. Alors c'est quoi le STC8? Le STC8, c'est un compresseur en classe A. En gros, bon, moi, t'as bien compris que je compresse quand même pas beaucoup. Si je dois compresser, la plupart du temps, ce sera avec celui-là. Et ce sera peut-être un dB, tu vois. Par contre, je trouve que le gain, juste le gain de sortie, il est hyper beau sur cette machine. Plus tu rentres dedans, plus il colore, mais c'est pas une couleur flagrante, tu vois. C'est vraiment hyper subtil. Et donc, c'est cette machine-là que j'utilise pour... c'est le gain de cette machine qui me permet de clipper mes convertos en fin de chaîne. Très bien. Voilà. Puis derrière, le Fatso, si j'ai vraiment... beaucoup pousser le volume et qu'il me reste quelques crêtes aiguës qui dépassent un peu, bah je vais venir les calmer avec le Fatso. Après, j'aime bien avoir en fin de chaîne, en digital, j'aime bien avoir un limiteur en fin de chaîne, parfois un DSR s'il faut. Ça peut aussi être en début de chaîne, le DSR. Alors ton niveau, du coup, tu le fais quand même un peu au limiteur ou comment ça se passe? Mon niveau, je le fais au clipping. Donc avec le STC8, comme je te disais, voilà, je l'utilise pour clipper mes convertos, que ce soit le Lavery ou le Forcel. Donc je fais le gros du niveau avec ça, même si bon, le niveau pour moi c'est pas primordial, mais bon, c'est quand même une réalité, donc j'attrape un peu de niveau avec ça, mais j'aime bien avoir quand même un limiteur en fin de chaîne pour garder un contrôle en fait à la fin. Des fois, tu vois, sur un album il y a 10 morceaux, t'as fait les 9 premiers, bah le dernier t'as envie de le faire un peu plus fort ou un peu moins fort parce que ça sonne mieux comme ça, bah c'est sympa de pouvoir revenir un petit peu sur les premiers que t'as fait, peut-être ajuster un petit peu. Un peu de souplesse. Mais c'est pareil, ça va être un dB ou un truc comme ça, tu vois. Okay. Et c'est quand il faut, je le fais pas systématiquement, quoi. Moi, je suis quand même assez ouvert aux plugins, même si j'en utilise peu dans la pratique. Mais mes préférés, aujourd'hui, ça changera sûrement, mais mon préféré, c'est le DS1 de Vice, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Il est hyper transparent et puis il permet de faire... une compression, on peut pas dire multibande, mais en tout cas, tu peux choisir une bande de fréquence que tu compresses. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ça en fin de chaîne, je trouve. En début de chaîne aussi, mais en fin de chaîne encore plus. Des fois, quand tu as un morceau qui a beaucoup de présence dans les graves, par exemple, et bah, ça peut. Tu as fait tout ton master, il sonne super, mais à force de compresser ou de clipper, bon, à la fin, si tu veux, ça écrète, et puis tu peux avoir parfois les graves qui deviennent un peu envahissants. Ça peut être sympa d'avoir un moyen comme ça de les. Par la compression, les recalmer un petit peu. J'aime bien pour ces cas-là. Alors, encore une fois, on va être sur un dB max, tu vois. Et sur des graves, un dB, c'est beaucoup, en fait. Hein. Surtout en fin de chaîne, quand t'as déjà bien mis le niveau, tu compresses d'un dB, ça s'entend, quoi, même avec le Vice. Et voilà, j'utilise parfois un petit peu de. Là, j'ai pris récemment la suite Isotope 11, là, Ozone 11, que je trouve vraiment, vraiment super. Alors que tu vois, j'aimais vraiment pas les versions précédentes. Et celle-ci, bon déjà, il y a des nouvelles options qui sont vachement bien. Mais je trouve que leur EQ dynamique, ils l'ont vraiment bien réussi. Il est hyper transparent, donc des fois, pour les mêmes raisons, voilà, je peux l'utiliser pour calmer un peu de bas si à la fin, je trouve qu'il est devenu un peu trop envahissant. Sinon, en fin de chaîne, j'utilise aussi beaucoup le DSR de Vice. C'est un peu comme un multiband à deux bandes qui sont pré-réglés vers les aiguës. Donc, ouais, tu peux DS'er une voix, mais tu peux aussi calmer une charlette, tu peux aussi calmer une cymbale. Tu peux, voilà, tout ce qui se passe dans le haut du spectre, tu arrives à le contrôler vachement bien avec ce DSR-là, je trouve. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des autres DSR que je connais. Donc, celui-là, je l'utilise, voilà, il s'appelle DSR, mais je l'utilise pour plein d'autres trucs que pour DS'er, quoi. Bon, en vrai, si je veux DS'er des voix, généralement, je vais le faire en tout début de chaîne plutôt. Okay. Je trouve ça la plupart du temps un peu plus approprié, mais après, bon, il n'y a pas de règle, quoi. Hein. Ça marche, ça peut marcher dans les deux sens. Et il se passe quoi avant la chaîne, alors, analogique? Qu'est-ce que tu fais dans avant la chaîne? Bah, écoute, la plupart du temps, pas grand-chose. Ou alors, un petit coup de DSR, comme je te disais. Je peux faire éventuellement une petite équalisation pour nettoyer, tu vois, s'il y a une fréquence qui résonne un peu, je sais pas, un kick qui résonne un peu. Il y a beaucoup de mixeurs maintenant qui mixent chez eux, donc qui n'ont pas forcément des enceintes qui vont descendre tout en bas du spectre. Donc en fait, ils n'entendent pas chez eux ce qu'il y a dans le bas du spectre.
Ici, tu l'entends. Donc des fois, ça, c'est pas rare que même des mix hyper bien, hyper propres, ils arrivent avec du rumble ou des trucs comme ça. Donc ça, je préfère le calmer en début de chaîne, tu vois. Ça sert à rien de faire passer du rumble dans toute ta chaîne pour ensuite l'enlever. Moi, pour moi, c'est plus sensé de le faire en début de chaîne. Est-ce que tu bosses un peu les automations, par exemple, dans un mix, une fois que tu as fait ton analogique, etc., est-ce que tu vas gérer un peu refrain, chorus, etc.? Ça peut. Des fois, je trouve que c'est bienvenu de donner un petit coup de main à un refrain quand il arrive, ou un refrain ou une autre partie, tu vois. J'ai tendance plutôt à le faire en début de chaîne, ça. Ok. Et en fait, je le fais même pas en automation, je le fais plutôt en edit, parce que j'utilise Sequoia et... le système de crossfade et d'edit, il est hyper, hyper bien sur Sequoia, je trouve, donc je le fais plutôt comme ça. Tu vois, je peux aussi, par exemple, avec ce système-là, plutôt que de le faire à l'automation, je peux appliquer une petite équalisation, par exemple, juste sur les refrains, ou juste sur, élargir un peu la stéréo, juste sur certaines parties. Ou... Ça m'évite de faire plein de boons pour un morceau, voilà, je préfère le faire avant. Par d'autres moyens, je trouve ça plus pratique et je trouve que ça sonne mieux, surtout généralement. Est-ce que tu nous parles un peu de... Donc ça fait combien de temps que tu es ici? Tu as dit une petite dizaine d'années, c'est ça? Non, j'ai dit 14 ans. 14 ans? Ça fait 14 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qui a changé en 14 ans dans ta carrière et dans le milieu un peu? Dans ma carrière, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup plus de demandes qu'au début, évidemment. Je vais naturellement vers des projets qui me plaisent et il se trouve qu'on me propose plein de projets qui me plaisent. Parce que comme je faisais de la musique avant, j'ai quand même créé un peu un réseau avec ça. Et donc, on m'envoie souvent des projets pour lesquels j'ai quelque chose à apporter, quoi. Donc, évidemment, quand j'ai démarré, quand j'ai ouvert ce studio, enfin, quand on l'a ouvert, parce que j'étais pas tout seul, c'était un peu ce qu'on me propose, je le fais, tu vois. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui. Je refuse jamais de projets, mais bon, il se trouve qu'on me propose plus de projets qui me plaisent. Ok. Et la question qu'on pose à tout un G-Mastering, parce que c'est quand même toujours une histoire, comment t'en es arrivé à être un G-Mastering? Comment dire, moi, comme je te disais, je faisais de la musique, je suis arrivé dans les studios au début comme musicien, quand j'avais 18 ans ou 20 ans. Et puis, j'aime bien la technique aussi, j'ai toujours été un peu geek, alors moi, comme je fais de la basse, j'avais plein de pédales d'effet et tout, que j'ai toujours. Et ça m'intéressait vachement de voir ce que le mec il faisait en studio. Ah ouais, tel micro, il a pas le même son que tel micro. Ah ouais, après tu compresses avec ça, putain, le son est mortel et tout. Et donc j'ai commencé à me passionner par le son comme ça. Après, j'ai fait une fac de musicologie où, pendant ce cursus, il y avait une classe de son, quoi, où t'avais un prof, il y avait un studio dans la fac. Et donc j'ai pu moi aussi un peu toucher des machines et tout, j'ai trouvé ça génial. Et donc je me suis dit, je vais faire une école de son. Et il se trouve que j'ai pas mal manqué les cours parce que j'allais plus souvent en studio qu'en cours. j'avais la chance d'avoir des... Même si je débutais, d'avoir des musiciens qui étaient prêts, qui voulaient enregistrer avec moi, quoi. Qui avaient vu que moi j'arrivais à enregistrer mon groupe et que le son était pas trop mal. Et donc en fait, je suis rentré, moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio, pas comme musicien, mais comme un G-son, quoi, j'avais déjà un client, tu vois, je suis pas rentré comme assistant, comme beaucoup le font. J'aurais bien aimé faire ça, mais comme j'avais un peu de boulot, finalement, je pouvais toucher les machines, c'était super. J'arrivais dans les studios où j'avais un assistant, tu vois, donc c'était irréel. Le mec, l'assistant, il en savait beaucoup plus que moi, évidemment, quoi. Donc c'était un peu bizarre, mais voilà, moi, j'ai appris le son. Je sais pas si on peut dire que ça s'apprend, mais on va dire que j'ai fait mes premières expériences dans le son comme ça. Et puis, le mastering, c'est venu avec des discussions. Si tu veux, moi, comme je faisais le son pour mon groupe, je faisais un peu comme tout le monde faisait, c'est-à-dire que je balançais un L2 à la fin de mon mix pour mettre du volume, et puis voilà, terminé, quoi. Et à un moment, je me suis dit, attends, on doit quand même pouvoir faire mieux que ça, donc j'ai commencé à expérimenter un peu avec des plugins, tu vois, ce que j'avais sous la main, évidemment, j'avais pas de machine pour faire ça. Puis je me suis quand même vite rendu compte qu'on pouvait vachement améliorer un mix, voilà, avec deux, trois petites... au début, c'était des astuces, j'avais presque un preset, je faisais un peu toujours la même chose. Ah ouais, tu mets des écus, ça sonne bien et tout. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, le mastering, quoi. Genre, j'appelais même pas ça un mastering à l'époque, j'appelais ça rajouter un peu d'écus sur mon mix, quoi, tu vois. Trop bien. Et puis, ensuite,
L'idée de créer un studio, elle est venue en fait quand j'ai vu cette cabine. Je me suis dit, bon là, ok, faut se lancer, c'est une opportunité que j'aurai probablement pas deux fois, donc voilà. C'est quoi le futur à Climax ? Bah écoute, le futur, comment répondre à cette question ? Je te dirais bien que je suis bien, que j'achèterai plus jamais de machine, mais on sait tous les deux que c'est faux. Et j'ai une idée depuis longtemps qui me trotte dans la tête, qui est un peu compliqué à mettre en œuvre. En fait, j'aimerais bien que, quand je suis assis là, qu'il n'y ait plus rien entre les haut-parleurs et moi. Et c'est facile, tu vas me dire, t'as qu'à virer ton meuble et puis tu fous des racks sur les côtés. Ouais, mais sauf que si je veux faire ça, le temps que je construise un meuble, que je trouve le bon setup et tout, bah en fait, je peux plus bosser. Je peux pas passer mes journées à décabler, recabler et tout, parce qu'en fait, j'ai trop de boulot, quoi. Donc je repousse en me disant, la prochaine fois que j'ai une semaine ou deux devant moi, je construis deux meubles, je mets ça sur les côtés. Bon, à voir, c'est une idée comme ça, mais je sais pas si je la réaliserai un jour, mais j'aimerais bien, en fait, au moins essayer. Parce que finalement, cette ergonomie-là, je la trouve vachement pratique. Tu vois, quand je m'assois, je suis là, bah en fait, j'ai tout, tu vois, je bouge pas. Je reste toujours là, dans le sweet spot, j'ai tout, je peux toucher toutes mes machines. Donc c'est confortable aussi, tu vois. Si j'avais mes machines sur les côtés, c'est vrai que j'aurais pu ce gros machin entre moi et les haut-parleurs. Par contre, je devrais sans arrêt probablement faire ce genre de geste, tu vois, qui est un peu... Bon, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a des studios qu'on fait ça. Bon, t'as compris, j'ai pas encore trouvé la bonne idée, mais en tout cas, j'y réfléchis. Et bon, voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça, quoi. Okay. Donc, bah écoute, je te dis à la prochaine pour la V2 avec le nouveau bureau. Bah écoute, vas-y, on fait ça. À la prochaine, j'y sais. À plus tard, merci d'être passé. Salut.